Qu'est-ce qui rend une personne extraordinaire? Leur capacité? Leur talent? Ou simplement leur sourire? Quand j'ai rencontré Nick Wojcik pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds. Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant « Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi ?» Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois. Et il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'il n'avait pas commis une erreur, qu'il ne nous avait pas oubliés. Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui, lui avait donné moins qu'aux autres. J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont ?» Et j'ai dit « Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. » Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, « Je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain ?» Je me suis retourné à deux reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de m'aimer. Et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles, je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents qui n'auraient rien pu faire de plus. Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick. J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, « Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. » Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur, quand on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, il était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient, « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3:16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question. Quelle était la question et quelle était la réponse? La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important. Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire, Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain. Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité.
qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible. C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. Nick, tu n'es personne, Nick, tu ne peux pas faire ceci ou cela, Nick. » Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien, rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi. Et maintenant, je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière, quand je le suppliais à l'âge de 8 ans de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi ? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et c'est 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre ? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur Terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même. Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. » Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais.